liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire. Là, c'est fait comme ça. Tu es une fille avant la mort. Métro, boulot, dodo, on n'arrête jamais. Toujours à part mon et par mon. Attends, on n'a pas dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour, il s'est fait niquer sa mère. Elle s'en bat les couilles, non? Bonjour. Bonjour à tous. Féminisme. Ah bah non. Pour revenir au sujet de départ. Ouais. On est à contre-jour, non? Toi t'es à contre-jour. Parce que je suis noire. Voilà. Est-ce que on vit, bordel? C'est la question que on s'est posée aujourd'hui. Regarde. Le parapluie étant un outil de tuage. Est-ce qu'on vit avant mourir? Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu t'es fait là? La dernière fois on n'avait pas de sujet, donc on nous l'a beaucoup reproché dans les précédentes vidéos. Il est donc temps de trouver un fil rouge. C'est parti. Attends, on recommence. Pourquoi? Parce que je suis pas partie. Ah. Justement, c'est drôle. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous l'attendiez tous. Vous nous avez reproché de ne pas avoir eu de sujet dans les précédentes vidéos. Bien, aujourd'hui, on va trouver le fil rouge. C'est parti. Je vais tomber dans les escaliers car mes cheveux cachent mon visage. Oula. Oula. Ah. Oula. Oula. Je suis en t-shirt. Alors qu'il y a la tempête. Le vent. Je te jure, ce fil rouge, je vais le faire. Bienvenue dans notre demeure. La porte. La porte. Ici, la chambre de la première dame. La salle de bain du premier ministre. Et là, nous avons la suite de luxe. Dans les Sims. Du fil rouge. C'est un fil bordeaux. Même pas caché. Prends la pelote quand même, prends la pelote. Tu veux des lunettes? Non. Vraiment, on t'a demandé de faire une mission. Pause pipi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on est chiant. Essaye de pas du tout toucher le truc. Le micro? Ouais, mets tes mains sur le dur. Ça me connaît, ça me connaît, ça me connaît. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Comme ta mère. Tut, pat, pat. Bip bip. Bip bip. C'est dans l'autre sens. Oh. On a le fil rouge. On peut faire les photos avec une vidéo. Voilà. Je sais pourquoi on n'est pas drôle. D'accord. Alors, sur le chemin, il faut qu'on vous raconte, mais il s'est passé un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un bouquin. Là, il était en plein milieu du passage. Je sais pas ce qu'il foutait là. Ouais, Moi, je suis sur le cul. Hein. Je sais pas, il est tombé comme ça, d'une étagère, j'ai pas compris. Donc je l'ai ramassé, et il se trouve qu'il y avait dessus écrit un titre assez surprenant. Hein, assez surprenant. Presque philosophique, je dirais. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi manger des pommes de terre quand on peut manger des tables? Pourquoi manger des pommes de terre quand on peut manger des tables? Moi, tout de suite, ça a fait sens, et ça m'a bouleversée, quoi. J'ai tout commencé à mener une réflexion sur ma propre vie. J'ai remis en question toute mon existence. J'avais envie de tout arrêter. J'ai fait une affaire de douche. J'ai l'air d'une sorcière, là. Ça m'énerve. Vas-y. Quoi? Arrête de parler. Je suis emportée par le vent. Je vais aller acheter des meubles Ikea. Je te laisse faire la vidéo. Non, non, je te laisse, moi. Et on en parle de mes cernes? Bah non, on n'en parle pas. Y a-t-il une vie avant la mort? La vie avant la mort, ça supposerait que... S'il y avait vraiment une vie avant la mort, déjà on serait pas là. On serait pas là à faire des vidéos parce qu'on a peur de rater notre vie, parce que... Voilà. Je pense que... La vie avant la mort supposerait... Qu'on est heureux, on est N-A-I-T, et qu'on est heureux, E-S-T, on reste. Mais que du coup, c'est impossible dans ce monde, parce que, le caca. Y a-t-il une vie avant la mort? Y a-t-il un fil rouge avant la mort? Une bobine avant la mort. Une bobine de fil rouge. Un kebab avant la mort. Un balai. Tant de questions sans réponse. C'est vrai. Y a-t-il un kebab avant la mort? Le dernier kebab pour sauver les papes du Vatican. Non. Y
Y a-t-il une vie avant la mort? Écoutez, moi je crois que la vie c'est avant tout les rencontres. Moi je crois que je suis un peu narcissique. J'arrive pas à trouver de réponse et je pense qu'il n'y en a pas. Moi je me disais. C'est le trop boulot de dos, Jacques. Je sais que ça, le plus dans ma vie, je suis là comme un con et je m'aperçois que j'ai pas tant profité et que je me perds dans mon activité. Pas de placement de produits. Je consacre mon temps à des choses futiles, à la place de voir mes amis par exemple, ou mes ennemis. La vie à la mort. À toi, Elise. Vas-y. La vie à la mort. Nous étions si nombreux sur Terre, mais il a fallu qu'un de nous deux fasse un tremblement de terre. À la vie à la mort. À la vie à la mort. Ils ont su que nous étions 6 000 grands enfants. Putain, on a dit qu'on faisait pas de l'art. On fait exactement de l'art, là. Ah oui, tu trouves qu'on rigole, là? On rit jamais debout. Tu vois, c'est ça le vrai sujet. On ne rit jamais debout. Exactement. Est-ce qu'on peut rire allongé? À la vie à la mort. À la vie à la mort. Pourquoi on fait des vidéos déjà? Mais non, mais il y a des moments avec et des moments sans. Plus un moment sans, là. Un moment sans. Sans. S-A-N-G. En crotté. Je pars! Mais quoi, vous nous faites chier avec votre fil rouge en fait. T'as pas un ciseau là? J'aimerais bien trouver un ciseau. Mes dents? Meuf, j'ai des doigts quand même. J'y tiens. J'ai un ventre aussi. J'y tiens. Vas-y, coupe! Elise! C'est le bruit d'une bras. Redisent, fil rouge ta mère, nous leur fait. Non. Elise, arrête de menacer les gens. Je vais prendre mes calmants. Je n'ai pas pris mes calmants. J'ai pris tes calmants. Si vous estimez que vous avez une vie avant de mourir, c'est QFT. D'accord. Tant pis. Y a-t-il une vie avant la mort? Le soleil! C'est marrant.